Coucou, une petite vidéo très très rapide pour répondre à Maïté qui m'a demandé comment est-ce que l'on doit prendre son Boston, comment on prend son chien pour pas qu'il chouine, pour pas qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit. Alors je vais vous montrer tout simplement. Eh ben j'ai ma grosse dodo là, Jojo, viens ma belle. Quand je prends un chien, je vais le prendre, je vais mettre une main dessous comme ça, hop, avec une main là, hop, voyez où sont mes doigts devant là? Je vais la prendre là, tout simplement, pour une main. Arrête-toi. Une main comme ça et une main au niveau des fesses. Voilà. C'est assez simple. On le prend comme ça. Hop, 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 hop. On le bascule et on lui tient les pattes comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez prendre votre chien tranquillement. J'ai vu beaucoup de choses de fait. Il y a la dragonnette. Hop là, comédienne. Hop. Voilà. J'ai vu beaucoup de choses de fait. Un peu partout. Des fois, on voit des gens qui ont leur chien et qui le prennent comme ça, qui le lèvent par les pattes avant. C'est vraiment pas bon, hein. Ça faut pas par contre, parce que ça va tirer sur les muscles et sur les articulations. Donc quand vous prenez votre petit chien, on va prendre Bull, petit chien on a dit. Bull, viens bébé, viens mon grand. Voilà, hop. Là par contre je l'ai pris sous les pattes, vous voyez, au niveau des aisselles. Tac. Un chien malheureux. Voilà Maïté, c'est tout simple. J'espère que ça t'aura plu. Et puis je vous fais des bisous à vous qui êtes en Suisse. Allez, à bientôt. Salut!